Là, dehors là c'est un canal, j'ai pas pu tourner la vidéo, je tourne habituellement parce que c'est comme si les chiens du quartier sont rebellés, que plus personne, aucun youtubeur du quartier n'a pu tourner la vidéo. Je parle comme si on était 1000 youtubeurs dans mon quartier. Hello les beaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu en titre, on va parler de la fois que Malok le Viber m'a sauvé la vie. Donc restez sur la vidéo, vous allez kiffer la vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo, commenter et partager au max. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Instagram qui est là. Peut-être là. Je ne sais pas. Donc, cette vidéo regroupe deux sujets. Le premier qui est comment j'ai rencontré Malok. Et le deuxième, comment il m'a sauvé la vie. Donc restez et vous allez kiffer. Let's go. Bon, je vous fais un bref résumé. Qui est Malok et tout et tout. Malok, c'est un chanteur camerounais connu sous le nom de Malok le Viber en fait. Et je vous mets quelques extraits de ses sons là. Et aussi son son si. J'ai comme ça, elle veut quoi. Bon, dans tous ces sons, je crie ce que je préfère. Donc, peut-être les deux sons que j'ai mis passer là, c'est que ce sont ces sons que je préfère, mais. J'aime pas franchement tous les sons de Malok le Viber. C'est pas une grande star de Malok le Viber. Le premier point, comment j'ai rencontré Malok. En fait, c'était un jour comme les autres, pareil que les autres, un samedi. Bon, ma soeur me dit que, elle m'appelle, elle me dit que, ouais, il y a Malok qui va venir à la maison et tout. Elle m'a précisé les détails où elle connaissait Malok. Elle demandait, tu connais Malok? Elle me dit que. Ouais, avant Malok habitait là dans un quartier voisin notre quartier et ils étaient dans un même coup de danse en fait. Je ne sais pas si c'était, il me rappelle plus si c'était coup de danse ou coup de quoi ensemble. Bon, c'est là qu'ils se sont rencontrés et tout et aussi et les études, ils ont aussi fait les études dans une même université je pense bien ensemble. Ils se sont rencontrés là-bas. Il avait commencé la musique mais il n'avait pas encore percé franchement, donc ils se sont rencontrés là-bas. Ensuite elle me dit, ouais, il faut aller le chercher, il a l'entrée du quartier, il ne connaît pas bien, il ne connaît pas la maison et tout et tout et tout et tout. J'ai dit ok, on va le chercher. Il est venu à la maison, il était un peu avec sa clique ou quoi, donc son groupe de personnes avec qui il marche. J'étais avec ma belle soeur à la maison, ma soeur, ma petite soeur et mon frère, mon cousin et une des soeurs de mes belles soeurs et ma mère, donc on était à la maison. Nombreux à la salle à manger. Moi j'étais là au canapé en mode snap, je snappais Malok, je snappais, juste en train de snapper Malok en cachette, un peu en mode comme si je m'appelais mon téléphone, mais je snappais parce que à cette époque je voulais tellement la célébrité, je voulais tellement être star, tellement entrer dans un mode que je comprends pas, je voulais tellement entrer dans un mode reconnu, influenceur, machin truc. Et c'était un peu, c'était la période, c'était peut-être un an après que je connaisse les réseaux sociaux, le monde de l'influence et tout. Donc j'étais en mode de snappage et tout pour poster après pour dire que ouais je suis star et je suis ami avec Malok pour que ça me donne aussi la visibilité. Mais j'étais en train de me tromper. Bon, ensuite il a mangé, après on a pris les photos. On prend les photos, j'étais en mode, les meilleures photos de ma vie, donc j'étais en mode, j'étais avec une star en fait. Malgré que je n'aime pas sa musique, mais la célébrité que je voulais. J'ai fait la photo, il est parti, on l'a accompagné. Et il est encore venu à la maison plusieurs fois, plusieurs autres jours. Mais je vous raconte l'autre parce que c'est un peu intéressant, c'est un peu croustillant. C'est par rapport à mon frère. Malgré que ça a franchement gâté sa relation avec sa copine. Il était à, il se tapait une fille du quartier, la chose à ne jamais faire. Alors c'est descendu en haut à l'entrée du quartier. Bon, il y avait alors les enfants, les gens du quartier en fait qui étaient dehors. Je sais pas pourquoi, mais à 16h, il y a toujours les gens dehors qui, je sais pas, d'autres plus de l'eau, d'autres fessiers, d'autres. Donc, je sais pas.
ils allaient arrêter. Bon, la copine de mon frère était là. Elle a couru, elle a sauté sur ma lox. Donc, grave. Grave la honte, elle dit c'est terminé. Elle dit que ouais, elle prend mon frère comme un chiffre. Elle dit ouais, viens me filmer avec ma lox. Qu'est-ce que tu fais là? Viens me filmer. Les gens du quartier sont en train de regarder comme ça. Donc, après qu'elle s'est filmée, ouais, après elle est partie. Après sa copine, elle a dit. Ouais, c'est que ta fille là n'est pas bien, machin. Quelques jours après, ils se sont séparés. Bon, chez moi, c'était que je ne voulais plus voir d'abord cette fille parce qu'elle ne me plaisait pas. Non, je ne veux pas m'immiscer dans les relations des gens. Parce que personne ne m'immisce dans ma relation. Dans mes relations. Donc, parce que j'ai manqué une relation. Maintenant, ça a changé ma vie. C'est une brève parenthèse. Un petit passage de malheur dans ma vie en soi. Comme je fais dans la musique, tous mes abonnés, vous connaissez déjà. Un frère a appelé Malox, il dit que ouais, mon frère, petit frère veut te parler. Il fait dans la musique et ici c'est que ta maison en production boit le produit. Bon, il me passe le téléphone, il dit à Malox, ouais, je fais dans tel type de musique et tout et tout et tout. Malox dit, ok, je vais te faire ci. Et tu vas venir au studio, on va parler et tout. Bon, trois jours après, il me fait pas signe, quatre jours, une semaine, un mois. Bon, il m'a jamais fait signe jusqu'à présent. Bon, maintenant que j'attends tout ton appel, là que ça a changé ma vie, c'est là où j'ai eu un déclic dans ma vie en disant, non, c'était un mois après, quand je repensais, donc je pensais à ça. Je disais, ouais, ça m'a dit qu'il devait m'appeler et tout, on devait faire le truc. Donc, c'était grave un peu mon rêve, quoi. C'était aussi la période là que j'ai commencé YouTube, j'ai laissé YouTube. En soi, quand il m'a tiré le YouTube, j'ai dit, c'est fini, je ne veux plus faire YouTube, donc je vais me concentrer sur la musique comme Malox a dit. J'ai pris conscience que ouais, personne ne doit venir t'aider pour ta musique, donc personne ne doit venir, tu ne dois pas tomber sur la maison de production qui va venir directement, tu vas sortir un clip et tout, ça va passer machin, il faut que tu travailles de toi-même, tu bosses dur, arriver où tu veux, donc c'est là le changement que Malox a eu dans ma vie, donc c'est un peu ça. Un peu ce changement. Donc depuis ce temps-là, j'ai dit ouais, je prends ma vie et tout. Malgré que j'ai encore fait 7 mois après les vidéos YouTube réellement, après ce qui me passionnait. Et les concours aussi de musique après quelques mois, 7 mois, un an même après, j'ai commencé à faire ce qui me passionnait en fait. Bon, il a un peu changé ma vie dans ce sens, ce thème-là. Et j'ai plutôt apprécié. Bon, les gars, c'est tout pour la vidéo. Morale de l'histoire. Faites ce que vous avez envie. C'est tout. N'attendez pas que quelqu'un va venir vous aider sur vos projets. Il faut faire vos projets. Donc, n'attendez pas que ouais, quelconque personne va venir vous aider sur vos projets. Donc, faites vos projets. Ce que je continue cette vidéo, ce serait tellement long. Donc, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas encore à vous abonner sur la chaîne. Activez la communication parce que c'est très important pour ne jamais rater mes vidéos. Likez la vidéo, commentez. Commentez ce que vous voulez. Dites-moi quel star vous êtes déjà. Gâchez la vie en fait. Non, quel star a changé votre vie et partagez la vidéo au max pour qu'on soit grave nombreux. Je vous dis à 1000 abonnés, j'invite un autre youtubeur camerounais pour faire une vidéo ensemble. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou dans quelques jours. Parce que c'est comme si je posterais une vidéo le mercredi et le dimanche. Ou le mardi et le dimanche, je sais pas encore. Donc, semaine prochaine. Et la bosse, oh, la bosse, et voici alors la bosse, et la bosse, oh, la bosse, et voici.